Record mondial pour le Finistérien Christophe Ballois. Le 23 octobre dernier, le kitesurfer a établi le record du monde en e-sport de vitesse à la voile sur le canal de Lüderitz en Namibie. 42,94 nœuds sur 500 mètres, soit près de 80 km/h, le tout à la force d'un seul bras. C'est un record en e-sport parce que moi je suis né avec une agénésie au bras gauche, donc je n'ai pas l'avant-bras gauche. Donc quand je pilote un kite, je le pilote d'une seule main, en croisant la main du coup sur la vitesse, et tout l'effort se répercute effectivement sur le bras droit. Qu'est-ce qui s'est passé là alors ? Alors là c'est une chute deux jours après le record, donc une chute à l'entraînement, et j'ai tapé le sable avec l'épaule droite. Donc à 75 km/h à peu près. Donc entre la vitesse, mon poids, le lest que j'avais sur le dos, l'épaule s'est démise en fait, est sortie de son logement, donc là elle est remise. Mais je suis bon pour encore 15 jours d'écharpe. Christophe, 42 ans, navigue depuis qu'il est adolescent et démontre que l'on peut devenir un sportif accompli malgré le handicap. Le record 2014 le prouve une fois de plus, mais les ambitions de Christophe ne s'arrêtent pas là. Et l'objectif, c'est vraiment de faire encore mieux, d'avoir cette année, pour 2015, une année complète d'entraînement avec des partenaires qui suivent pour vraiment, là, l'année prochaine, améliorer le record, j'espère, de 3-4 nœuds. Mais avant de battre son propre record, ce sera repos forcé pour Christophe. Il lui faudra ralentir le rythme et soigner son épaule.